La voiture est là. Depuis le temps, pas ça. Ma source vive, mon appui, ma lumière.
n'avais plus le choix. Du Père étincelante de beauté, tout en ailes, gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel, c'est au ciel. Éternel, là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus, c'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi nous.
douce maison du Père, que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Joue le Père, nous joue d'allégresse, douce brise ou vent orageux. Poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Nous voulons rassurer tout un chacun face à la mort. Effectivement, c'est la douleur, mais aussi il y a aussi de l'espérance. Le verset que le pasteur a cité tout à l'heure, dans Jean 11, versets 24, 25 et 26, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la mort. Je suis la vie et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus ici parle de deux morts. La Bible va expliquer au fait qu'il y a deux morts. Pour quelle raison? Parce que le péché résulte de mort, qui est une conséquence, et l'autre qui est le salaire du péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais c'est la mort éternelle. Tandis que l'autre mort, qui est le repos, c'est une conséquence. Pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort? Jésus parle de cette mort, cette première mort. Mais la deuxième mort, il dit, quiconque croit, vivra quand même, il sera mort, et quiconque vit et croit ne mourra jamais. C'est la seconde mort dont parle la Bible. Pourquoi Jésus nous rassure que nous n'allons pas mourir éternellement? Enfin, ceux qui vont croire. Pourquoi? Parce que quand Adam a péché, il a induit toute l'humanité dans la seconde mort, qui est la mort éternelle. Et Jésus, qui est le second Adam, est venu régler le problème de la mort éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est mort éternellement pour vous et moi. Donc, si nous croyons en Jésus, nous n'allons pas connaître la seconde mort. Nous allons connaître la première mort qui est les conséquences. Parce que quand Jésus est venu, il n'a pas enlevé la conséquence. Il a enlevé simplement le salaire. L'assurance est donnée à tout un chacun. La Bible dit, Jésus dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, celui qui croit que Christ est déjà mort à sa place. Alors, croire veut dire quoi? La foi signifie croire, faire confiance et obéir. Quand j'obéis à la parole de Dieu, quand j'obéis à ce que Jésus, parce qu'il m'a dit qu'il m'a déjà épargné de la seconde mort. Mais pour que cela soit réalité, je dois croire en ce que Jésus a réalisé. Donc, aller dans la Bible et trouver comment faire confiance à Dieu, comment lui obéir. À ce moment, nous connaîtrons cette mort-là qui est une conséquence, parce que les conséquences sont là pour nous pousser à réfléchir et comprendre que le plus dur, la chose la plus dure, c'est la seconde mort. Donc, tout le monde a la possibilité de ne pas connaître la seconde mort, si cette personne croit en Jésus. Si je crois en la parole de Dieu, c'est donné à tout le monde. Dieu n'a pas fait de prédestination pour les gens, pour dire que les gens seront perdus. Dieu a prédestiné tous les êtres humains à être sauvés. Donc la balle est dans le camp de chacun. À nous de comprendre que si nous marchons d'après ce que Jésus a dit, parce que ce qu'il dit est vrai,
Il nous faut croire. La Bible dit celui qui croit. Au fait, parce que la foi n'est pas une logique. Hein. On se dit, mais quoi, en quoi, en quoi? La foi n'a pas de logique, parce que la logique divine n'est pas la logique humaine. Vous comprenez que vous croyez simplement? C'est ce que Jésus dit. Et dès que je réfléchis, je ne crois plus. Donc il suffit de croire en ce que Jésus dit. Nous avons tous la possibilité de vivre l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, dans ce lieu où souvent des larmes ont été versées, où des sentiments de tristesse se sont élevés vers toi, nous venons d'entendre quelque chose d'extraordinaire. Que toi-même, tu as consenti à passer par la mort pour qu'aucun être humain n'ait à connaître cette mort éternelle. Béni soit ton nom. Et c'est pourquoi, en cet instant, je te demande de nous consoler, de consoler cette famille, de consoler tous ceux qui ont déjà perdu un être cher et qui pleurent encore, et de comprendre que tu as donné la solution à la mort éternelle par l'immortalité que Jésus est venu nous redonner. Seigneur, affermis-nous. Donne-nous, comme nous l'a conseillé notre frère Félix, de nous connecter à Jésus de façon si étroite que rien ne puisse nous séparer de toi. Non, même pas le fait de nous séparer de notre mère, de notre parente qui va aller se reposer mais qui avait confiance en toi. Tu feras en sorte que son identité soit préservée en toi et qu'elle réapparaisse et que nous la reconnaissions. Béni soit ton nom. Affermis-nous, console-nous et donne-nous la foi qui peut nous unir à toi par Jésus pour l'éternité. Je te prie en son nom et pour ta gloire. Amen. 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 Christ est ressuscité, en échange moi. Dans le ciel.
Vois aussi vos luttes faites dans la sombre nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Et venez avec confiance, venez donner-lui votre cœur. Ô joyeux, ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Venez donner-lui votre cœur. Oh yes, alléluia. Ok, la famille. Qui se force? God bless. Jésus là. Alors, Mamie Bernadette, elle était quelqu'un qui m'a toujours conseillé, quelqu'un qui était très branché plante. Et qui donnait des conseils formidables en ce qui concerne les plantes. Et comme moi je crois que nous finirons par nous soigner durant le reste de notre existence par les plantes. Et comme j'ai entendu une fois sur une chaîne de télé, la Caraïbe est le berceau pharmaceutique de l'Europe. Et ça, c'est resté gravé en mon cœur. Et lorsque j'entendais Mamie Bernadette parler de plantes, alors ça me faisait beaucoup de plaisir et ça m'enracinait à me rapprocher encore davantage de la nature pour mieux comprendre ce que c'est, ce que l'on peut tirer de ces plantes que Dieu a mis à notre disposition. Et je dis merci à mon Dieu pour d'avoir mis tout cela à notre disposition pour nous soigner et puis... peut-être mettre un peu tout ce qui est chimique un peu de côté parce que vu ce que la zone de turbulence qu'on rentre là-dedans, il faut approcher de la nature. C'est-à-dire se servir de la nature pour se soigner. Ouais. Revenir au thé, hein? Jerry Trout, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Herba, pic, calté, hein? À tout mot, il faut prendre son petit thé, s'il le faut régulièrement le soir et on sera en meilleure santé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, elle nous a laissé l'exemple, donc il faut continuer. Mais je pense que j'aurai l'occasion de la voir là-haut dans le ciel, parce que j'irai, parce qu'elle aimait son Dieu. Ok, bon courage et puis à tout le monde, à toute la famille, bon courage. Et puis, rendez-vous là-haut. Merci. Moi je me rappelle qu'à chaque fois qu'on allait chez Mamie, elle nous accueillait toujours avec un sourire. Et tout ce sourire, tout ça resplendissait sur nous tous. Et on était tous contents qu'on allait chez Mamie. Et un mot qui la qualifierait parfaitement, c'est sa force. Super. Ok. À toi. Bon. Famille, merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci pour votre affection, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, nous avons vraiment senti cette force à travers vous. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse et que nous restions toujours unis dans la fraternité. Merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup. Lorsque tu penses à Mamie, qu'est-ce que ça te fait? Ah ben, la joie, la paix. Le bonheur.
Elle nous soutenait dans toutes les épreuves difficiles. Elle nous réconfortait et nous donnait la joie de vivre en fait. Et c'était une maman chérie. Voilà. Je t'aime parce que je lui ai dit assez tard, très tard même. Si j'avais l'occasion, je le redirai encore plusieurs fois. Au revoir. Eh bien, ma mère, Bernadette, Mamouchka, comme je la surnommais, c'était une femme forte. Et elle m'a laissé cette force-là. Et aujourd'hui, je puise cette force-là parce que dans sa vie, j'ai quelque chose sur quoi m'appuyer. Donc, je dis merci Seigneur pour la mère que tu m'as, formidable que tu m'as donnée. Alléluia. Je dis merci à maman pour tout l'amour qu'elle nous a donné, même si elle ne savait pas l'exprimer. Mais tout ce qu'elle a fait pour nous, c'est par amour. Elle nous l'a rendu à travers tout ce qu'elle faisait, à travers ses prières, les moments passés avec elle. Dans les bons moments, comme les moments les plus douloureux, nous avons senti sa présence, son amour, sa force, parce qu'elle priait beaucoup pour nous. Et lorsque nous prions ensemble, son seul réconfort, c'est de dire merci Seigneur, toujours merci Seigneur pour tout ce qu'elle lui a donné, tout ce qu'il fait pour lui. Et moi aujourd'hui, je dis merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi, pour ma famille, à travers maman. Merci qu'elle parte en paix, reposée, elle a souffert. On l'a accompagnée tant qu'on a pu, tant que j'ai pu, je l'ai accompagnée, j'étais auprès d'elle. Et vraiment cette force, je la puise en elle, par la force qu'elle m'a donnée à travers sa souffrance. Merci infiniment, part en paix maman. Merci. Et on se retrouve à chaque fois dans les événements grandioses, hein, qui tournent, voilà. Chaque fois qu'on se rencontre, c'est des occasions comme ça. Et pour maman, qu'est-ce que maman, c'est bon. Maman, c'est la vie. Alléluia. Amen. Et maman, j'ai dit au frère. Parce qu'il a dit, comment on se casse pour avoir cette pièce. Il dit, attends, nous finissons pour oui, vraiment quelque chose. Je vois vraiment.